L'ange numéro 29, Réiel, il régit du 13 au 17 août. Il est l'ange de la libération. Son énergie nous conduit vers les hauts sommets de notre conscience et nous permet de toujours voir la vie d'un point de vue plus global, élevé, pour transformer les illusions et limitations que l'on peut vivre au quotidien. Avec cet ange, nous pouvons développer les qualités suivantes. Libération. Aime les grands espaces, les hautes montagnes et la nature en général. Conduit vers les hauts sommets. Libère du mal, des sortilèges et des ensorcellements. Non attaché au credo, c'est-à-dire n'appartient à aucun groupe religieux ni à aucune secte. Amélioration de la vie par la méditation et l'étude de soi. Confiance, diffusion de la vérité. Citoyen libre de l'univers, vision globale. Science du comportement. Recherche de la vérité, détachement matériel. Conception, réalisation, production. Découvre les mystères de l'œuvre divine par la méditation. Travail inspiré par le divin et réalisé avec une conscience supérieure. Établis un lien avec les guides spirituels. Nous pouvons rectifier les distorsions humaines suivantes. Situation limitative, impasse, manque de liberté à différents niveaux. Veut à tout prix être le premier ou le meilleur. Ambition, cupidité, manipulation. Est trop aérien ou trop terre à terre. Méfiance, fanatisme, hypocrisie. Propagation d'idées fausses et dangereuses. Ensorcellement, mauvaise fréquentation. Sectarisme, bigoterie, lutte religieuse. Endoctrinement, nationalisme, prisonnier, opposition aux réalisations altruistes, philosophie matérialiste, plaisir mondain. Nous pouvons l'invoquer dans les situations suivantes. Amour universel, amour suprême, confiance, manque de confiance, fanatisme, libération, liberté, douce pensée angélique.